Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko. Fachi a suspendu sa campagne pour 3 jours à l'honneur des victimes de Mbanzangungu. Oui, salamaki na Mbanzangungu Bandeko. Il y a eu des morts pour stade zaki muke pi kobima il fallait zala ordonner à l'obabima ki mabe musu banyata ki baninga. Alors, mukonza mboka mona kiti azalana tant mon copo lelo et sa jour babong sa comité oyasika. Et de l'autre côté, le VPM le Tundula Azana Mbujimai na campagne pour na voter numéro 20. Deuxième point chez téléspectateurs. Oh balubake yindi, fin de Kagame, 1-23, retrait du premier contingent de l'EAC, réaction Bandeko. Bokoyoka réaction à ba Congolais, bokoyoka réaction à EAC, bokoyoka oye lobami, alors bande konanga tous à la connecter, peut-être que développons une émission là-dessus. Troisième point chez téléspectateurs, et yindi, les matériels d'observation de l'Union européenne confisqués par service de l'ANR. T'es-ce que ma kamoza minene? Alors pourquoi ça confisqué? Ma secret kobima. Na katia, ma solo, ya katia élection yo. Et ba bombe zalaga ko sakalante, mais félicitations, service à ANR. Chers téléspectateurs, comme nous l'avons dit au sommet, alors le président de la République a suspendu sa campagne électorale pour pendant 3 jours. C'est-à-dire, à côté là nan makambo oye le gars qui n'a pas zangongo n'est pas au kunda bah on est honneur na bango parce que bah y a qui côté là mon continent bango tellement basala qui plaît à craquer basai ben la poste comme on est le chef de l'État. Alors il y a d'autres oyu incident salami les baso bima bah musuba nyati bah ninga kana ko bima do des autres de côté bah musuba kufaki. Alors à ce point le chef de l'État mon a quitté pour na couper son heure na bango, il faut suspendre campagne pour 3 jours. Et puis, na même moment, ba bong sa comité, oya servi sa campagne na yi. Chers téléspectateurs, mokozambo kaza déterminé un deuxième mandat. Alors, yango ba zoko bong sa union sacrée à la na force. Toujours la deuxième partie. Fachi koto ya da la pemi koto yé moko, mais ba tu ne ba zo travail. VPM le Tundu Lazana Mbujimai. Et pas Wab Masolo Kitoko. Mais toujours en Aponaï. Alors, mon Kondamboga mon inquiété, en tout cas, tant ou ils attendent au Bongisa, ma Kamunyonso, comme ça, tu peux s'en pas honneur, na Bandeko Oyo. Alors, toko tanga to comprendre que c'est pas, parce que ba renouer au Salama pour le moment où ça va naté, parce que union sacrée, yeba ki bazo la tefiji à président de la République, bango tout bazana candidat numéro 20. Donc, il faut ba sangana, ba, parce qu'il faut ba sa l'effort. Na kota député. Fatia kobima. Et ça, mon problème te. Mais kota député, faut ba sa l'effort, pe. Propagande makasi. Pour ba député, ba sa majorité, l'Assemblée nationale. Total. Donc, oui, les gars qui n'ont pas d'angongo, doivent comprendre, kaka, que situation, et ça, là, qui m'a boulou, service, oya, bah, policier n'a pas d'angongo, bah, salaire, moussala, bien dit. Félix Tshisekedi a suspendu pour 3 jours sa campagne électorale. Au moins 6 personnes ont perdu la vie. Vendredi 1er décembre, en Bazango. Dans la province du Congo central, en marge d'un meeting de félicitations, une tragédie est survenue à la suite d'une bousculade à la fin du meeting du candidat.
Félix Guédi décidait de suspendre sa campagne pour 3 jours et mis en place une cellule de crise. Pour pas résoudre en haut, situation de Bozomonawana, tout plein. Donc, pour m'assoler, bande, pas wapi, fachi, basali, babiro, ya campagne. Comment s'était passé? C'est tard dans la soirée que le meeting de Félix Guédi a pris fin. Il était environ 20h heure locale quand le candidat achevait son discours dans le vieux stade Papa Kitemoko pour accueillir 14 000 personnes. Mais ce peu de temps après son départ qu'a eu lieu cet incident malheureux. Selon l'équipe de Félix Tshisekedi, une défaillance dans les mesures de sécurité mises en place par la police aurait provoqué une pression importante sur les sorties du stade. 6 personnes sont décédées et au moins 18 personnes ont été blessées. Certaines sont actuellement dans les soins médicaux. Alors, Bandeko, on a déjà comment peuple Oyo balingi mo kontina bango. Alors, Tolanda, extrait Oyo. Bon, on continue mission à bisou. En disant que le candidat Félix Tshisekedi suspend sa campagne électorale pour 3 jours à dater du samedi 2 décembre en hommage aux victimes d'Mbanzangungu au Congo central, annonce faite par la direction de son équipe de campagne. Pour rappel, des morts et des blessés ont été enregistrés à la suite d'une bousculade au stade d'Mbanzangungu où le président avait tenu son meeting vendredi dernier. Chers téléspectateurs, nous avons suivi Tolande Bissonion ce qui s'était passé. Alors, et ça l'a vraiment passé. Ce qui est au père de ma vie. Mais, mon konzambo ka honoré bango. Yé mon ka kubimate pendant 3 jours. Entre temps, l'équipe et autres travaillaient partout na RDC, comme reparti na programme na yé. Alors, c'est pour cela que, à mon avis, la cellule de crise, basangana kuyeba, c'est nos porte-parole, ya président de la République, Tina Salama, bako zwa bakor, nyon soana 6, bako futa, tout bako salama, kam nyon sopona ba funeral na bango. Et puis, bo baza blessé, bako zwa ba soin, moko zamboka, bako zwa soin batouana. Parce ba yaki pona moko zamboka. Oye za incident mawa. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'on comprend que ce peuple, bazana posa président na bango. Bazak balimba mona mokonzi na bango. Malgré ekena situation moko mabi. Mais il y a un tozo sa ba congolais. Pour le moment, batunyo so baza alerté. Ce qu'on a congolais makila, telema loba, le président de la République, candidat numéro 20, candidat mousoussouti. Tozo ya na ba poa souka. Anera kangi ba plan ya Union européenne. Ba kopa katumbi foire. Hein? Matche za ko sakanati. Mais toujours à la porte. Alors, le chef de l'État, en tout cas, azo sala boulot na ndenge pende sengeli ki en tout cas, deuxième mandat, ezala penda confirme. Ba Congolais ba pesi penda confiance. Ya ko sakanati partout où il était. Mais l'autre, on doit qu'il y ait ça, Congolais, ça pour le moment, dans les réseaux sociaux, Kagame, Batuna et Nyonso, Bazo Pesa, ba, propagande. Bazo Pesa, que voilà, Katumbi 62%, et tout ça, ils ont un mensonge. Sur la raquette, monsieur, à l'obi, qu'il y a un lanango, on comprend qu'ils ont un kambalo kouta. Azara pourcentage, wanati. C'est Fatih Moutazo mené. Na sondage. Yangwa te kebisi mbo keba na obozo mwana na réseaux sociaux. Eza moussouba du nombre batu ba kangsi bango bati Photoshop ba publie bati. Donc, foko keba nango. Alors, melon tonto le bezani. Ke fachi akobima. Ba Kongole nyon so telema kene ko voti. Le 20 décembre. Eza souma kama ko bombati. Parce bana mboka ba telemi pour l'intérêt à présent na bango. Banamboka ba telemi pour l'intérêt des pères et des mères. Ba telemi to boy au sommet de l'État, un étranger encore. Vous vous souvenez?
Nous avons beaucoup souffert plusieurs années. Tolingi mbalo le sosuti. Tous en a besoin. Ya auto yebi papa ni na mama na au sommet de l'État. To boy ba ye la biso ba candidat mo boy ba za ko imposer biso. Mais de toute façon ba cop nyo se zo foire parce que nous avons un chef le président de la République o azana ba stratégie moko bango tu ba za ka ko koy. Ande ko so so tala tala. Ne se ba ndeko belé to ke bo toujours loba. Toujours na point et assez. Oh et assez za ngba ventir ba o kendete ba ba ni ko ken. Bon, mon, tout ça, la deuxième point. Kagame do mawa battu. Assassiné. Alors, bandeko, pays oyu, eza pays a bana EDC. Tozana bon mengwa ko sakanati, batu tout baza ko envie ko yana mbo kanabiso. Bon, biso to la la kabapongi, Congolais telema, voté candidat numéro 20. Tozo ke directement na mbujimai. Et pas wapi, VPM le Tundula a passé message na pour la campagne en fait. Allez, tout le temps. Donc, on a besoin que le pays soit dans la direction de l'Afrique. Donc, on a sangane que le pays soit sacré pour la campagne. Après son arrivée à l'aéroport de Mbujimayi, Christian le Tundula a pris la parole devant une assemblée enthousiaste. Rassemblé dans la salle de spectacle du club Miba, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a transmis deux messages essentiels au peuple kassaï. Je suis venu en Mbujimayi aujourd'hui pour deux raisons. Le premier message est le suivant. Grand Kassaï, nous sommes au cœur de la EDC. Là où tout commence, où tout converge. Les Kassaïens ont un destin exceptionnel. Bâtir ce pays. Il faut être fier d'être Kassaïen. Nos ancêtres ont légué deux héritages. L'indépendance, la souveraineté et l'unité du pays. Le président Tshisekedi combat ceux qui sèment le désordre à l'Est et il accomplit son devoir lié à cet héritage. Il a ensuite ajouté. Lutundula bande kona Mbujimayi, masolo kitoko. Le dernier héritage est de lutter pour la démocratie et le progrès social. Pour que tout Congolais soit à l'aise où qu'il se trouve. C'est l'héritage légué par Étienne Tshisekedi. A rappelé Bango, message Étienne Tshisekedi. Ete Congolais nyonso, ayeba ete mokonza mboka zawana. Pour la sociale ba congolais. Yango neza devise, ya Etienne Tshisekedi le peuple d'abord. Alors, Félix Tshisekedi a mis en place la gratuité de l'enseignement et la maternité, ainsi que le programme de construction d'écoles et d'hôpitaux dans 145 territoires. Chacun doit se demander, en particulier les jeunes, que faites-vous pour être digne de Lumumba et Etienne Tshisekedi? Bonjour Kabandeko. Bonjour. Que faites-vous? Alors, Bandeko tanga zoloba na Kassaï. Masolo azoloba. Kassaï ezalaki ya kuyinda. Parce que le Tundula a touché ba point moko très important. Et puis a lobi makambo a mi balé yango oyu ngana yeli awa. Bandeko. Il y a toujours un union sacré bien. Parce que, t'as la présent, à Zopema, pour trois jours, pour na, ma kambo et le kangina, na, mbanzangongo, mais, équipe naïe, et sa ko tambola, partout, à RDC, ko panzasang. Ba lobi na bango été, message et tient de sécurité des associés, yangoana, mokonza mboka, Aza ko continue le même makambo. Po ete mboka na biso. Badeko, pays oyu, eza ya kosakanati. Donc, so omona ye wana o Grand Kassaï, parce que aza na besoin, Grand Kassaï ete le ma. Ba Kassaïen, bo la moka. Aza ki bien arrivé na Mbujimayi, ba yambiye, donc, kitoko.
ufumona ke vraiment makamu nyoso yela kindenga lobi na bango message pende koti et puis bango nyoso bazalaki vraiment dans la joie parce que wana ezalaki posa ya mokonza mboka ko transmettre message wana parce que tango zotambola c'est au nom ya son excellence le président Félix Tshisekedi. Alors na grand Kasai masole le ki bien ayebisi bango clairement les Kasaïens ont un dessein exceptionnel bâtir ce pays bande ko za somo. Alors to développer le tundula na kata Kasayo wo ayebisi ba Kasaïens bino batu botonga mboka o bino batu aussi ba mo bino de base ya IDPS bino batu ko tombola RDC. Awa na Kasai to ebi ete mbalele ki basa 95% na lera di 2018, mena 2023 bako sala 100%. Bako fote moututi. Paske ba yo comprendre, ete bato tu ba tikali, baza ba paya. Bako fote mwana mboka le président Félix Tshisekedi, o asimi bendele ya mboka, vote président Félix, biso nyoso, bana Kasai, a 100% to mwana Kasai mubimba. Mais tu bino koda, bobo sanate bana Kasai. O bako ya, boya mbana bino bango, bako ti. Me, kofote bango ti. Ba pesi lar, zwa. Ba pesi koti triko, zwa. Me kofote na oti. Ezaya ku inda, e inda ga kanakate a Kasai. Alo, bandeko, nous avons suivi. Message mo kli. Ay boko pesa ni na Lumumba, ina na Tshisekedi. Vous en avez quelque chose à couper. Héritage, on a un nationaliste, Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, Yemoko, héros national, Lumumba. Tant aux autres talabilo, quoi, on a un message à qui toko boulotundu la paix. Bonjour, mon ati. Bolanda qui a bimba. L'élotéo qui a le tundu la. Bonjour, mon ati, qui est vraiment une union sacrée. Bako le canabango sans problème. Parce que les voix, elles ensemble, cette opposition mixée, avec Batou Yubaza, Namaboko Yabapaya, Baza na plasté na IDC. Ba continue na bontoza la démocratie. Baza libre, ba loba oyoana. Ba Congolais, Kotiawa, et Bimiao. Parce que tout le monde a un projet à Mokonjamboko. Le Tundu l'a expliqué, Bango. Que mon cancer, c'est la gratuité de l'enseignement. Assurance maternité. Bandeko, c'est tout bana qui s'assa. N'a t'y qu'un ambouche, n'a l'oubana bino bana kin. Bo tala mon konzambo kanenga sali. Tala, so kena ex mama yemo. N'a tala on a photo, mais n'a on dit maté. Mais ba lobi n'engo zomo an a maquette n'engo zana kati de Jésus si la. Eh. Bongo président ya boui. Ba Congolais, bo la mukako, bo zo monate. Bo ze la kamikolo avant élection. Ba o kene ko inaugure yango. Kene ko boto fele. Ma cheza ya ko sakana dedomba mabaya moko zo natali. Bana ba o tango fele. Eh, ba mama nyo sakine. Ba ko tu asue na yena ya bebe wa boti. Ese bo zo monate. Presa moko tena ede sa tika kosa. Yan le tundu la yesi batambuji mai. Ay bo kansa de choses. Bino ba kasayen de base. Et puis bo tala ba réalisation mou konza mboka. Donc azo mérite soutien total 100% au grand Kasai. Alors bandeko. Premier point ya. Élection. Oyo to landi biso nyonso. To komo kende. Si koyo na deuxième point. Chers téléspectateurs, tu commets un deuxième point d'abissu. Au balobake yindi, yako sakanate, départ ya EASI. Et belé bazaye kondimate. Quand on disait ça, bazaye monoka lokola soke za machu, soke zakaka, théâtre, il voyait comme ça. Ma ka belé bazo rêve. Mais mena yango. Yana moussoumona sali tala gratitre émission.
que EAC on va quitter jamais RDC basant des occupations et tout ça. Alors tout ce que vous avez coloba c'est quoi comme procédure bandi faut pas bimanda munda 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 jusqu'à ce que ça décaille basa remise et reprise ma solution pour ce moment qui vous une erreur grave congolais tika ko bomamboka na yo moko na makamba lokuta des mensonges que EAC a kokende te et tout cela bande ko soko tali batu er mon avant nabi est-ce que vraiment biso toujours raisonner makambo to lopa l'air est grave tout élément mbokeza envie ba mindele ba sa ba complot ba matériel ya union européenne za confisqué na aner makamba mabeba yeko tiapo ba trike election na biso bachango pena mobulu yo ka pena ke bo kama pena server donc makamu tu ye election donc bo mona pena ke candidat musu abimi nae tokeba bana mboka toza la sere tozo na pona bo mona bo yo ka pasa to yaka tu na ba preuve alors et lo konine zo sala ma pour le moment na niveau EAC. Bazala ki kondimati. Parce que bango pour le moment. Tant baya ki ne bandeli baza ki vraiment na volonté. Mais bayo koutana bande kono ba Rwandi. Ya M23 soi-disant RDF. Soi-disant M23. Ba koutana bango. Et ils ont vu voilà baza ba bande kona bise me to attaque bangonde. Uganda, Kenya, Soudan, bango nyonso. Mais Burundi, celle armée au bas congolais, bas au CP, là, bon, y'a pas de réaction. Donc, batouille, il faut pas qu'il dégage. Bah, y'a qu'une bandeli, oui, bah, y'a qu'une débiso. Une part, faut qu'on dit, ma paix, moi, malamouana. Mais, au fur et à mesure, bah, ou mêle, bah, comme on bat à un ventre. Kagama, j'y bah, on a ma beaucoup. Président Rwanda, ça, qu'on a raté. Adjoa ki pena EAC ba koki jamais ko réagir pa invento. Et tika la ki bon. Et puis ba otika ko salate, c'est pour ça qu'ils ont pris la route de sortie. Et ils vont quitter ce pays. Alors. Bon, nyon, ce qui, oh, bozo pe sa ba, message moko, ba mensonge, tout ça, voilà maintenant la vérité. Ya te sa Congolais, nano s'abonner te, kaka na émission de na yolo ba s'abonner, appuyer kanango, abonner mbala moko. Avançons. Oh, balubaka, l'heure est grave. Fin de Kagame M23, retrait du premier contingent de l'EAC. Réaction RDC. Bango anana aéroport à Kenya ce matin, ce dimanche. Bazo kota na kati avion, na bakola monde d'abord une centaine. Bazaki prêt. 500 on a bazo kende après. Peut-être capacité de bazo même avion d'ambu. Alors, début du retrait de la force de l'EAC avec un premier groupe kenyan, la force de la communauté d'Afrique de l'EAC a entamé ce dimanche 3 décembre son départ de la République démocratique du Congo. Un premier groupe d'une centaine de militaires kenyans a quitté Goma à 5 heures, heure locale, à destination de Nairobi. Le 24 novembre, à l'issue d'un sommet de la communauté est-africaine, en Tanzanie, la EDSA va annoncer de ne pas renouveler le mandat de la force de l'EAC. Présente au Nord Kivu, qui arrive à terme le 8 décembre, alors que la force est très critique. C'est un premier départ dans la lignée de ce qui avait été annoncé après le sommet de l'EAC en novembre dernier. Explique-t-on côté kenyan. Le chef d'état-major de l'armée kenyane était en visite à Goma. Vendredi 2 novembre, il a félicité ses troupes pour leur travail dans le Nord Kivu. Et il les a appelés à rester vigilants alors que la force entame une période de transition. Et ça koinda, yindi bolandia. Baza na période de transition. Bamusu bazo ya bango bazo kende. John Baye Nesiko, toyo ka réaction maintenant. Ya société civile. John Baye na Lobiboy, président de cette structure citoyenne,
a rappelé que ceux du gouvernement de jouer un rôle pour ne pas laisser des milliers de compatriotes à la merci des rebelles du M23 après le départ des militaires de l'EAC. Dès lors, les forces de l'EAC ne seront plus dans les zones contrôlées par les M23-RDF. Nous, comme société civile, nous n'avons pas de demande. La seule demande est que le gouvernement doit prendre de ses responsabilités. Celle de restaurer l'autorité de l'État sur tout le territoire congolais. C'est-à-dire, le gouvernement congolais doit tout mettre en œuvre pour bouter dehors ces terroristes, afin que nos compatriotes ne sont dans les zones, qui sont dans les zones sous contrôle du M23, soient contrôlés par le gouvernement congolais. Des sources dans les territoires de Rutshuru ont confirmé le départ des troupes kenyanes et sud-soudanaises de certaines localités telles que demandées par le gouvernement. Donc, le gouvernement déjà est sous ma bande à Kobima. Donc, graduellement, ti po olie ki bo mpe po avion bala moko ko kanga ba bagage ba biloko ebele baza biloko ba arme biloko ebele. Alors, yango moni les centaines ba kei bango wana na aéroport a Goma bazo kota biloko na bango epi ba soudanais mpe lisusu bazo kite dans certaines localités Soudan a kene nzela makolo deja. Mais officiellement, EAC Moutiza publié, mais n'est tout tangu en tout monde, Soudan, Yépé, Soudan du Sud, Yépé, à Benenamitouka, une partie. Donc, Bazako Kenendamundamu jusqu'à ce que EAC, la SADEC Bakoya, Bazal remise et prise. Nebo Landouana, période de transition. Tozoye Saba Congolais, que maintenant, message moi, sur les réseaux sociaux, Bazoko Saba Congolais, que, nde bazo kende 1-23 zwa ko remplacer ban. Boke bana masonge, ezalo kuta. Alors, tolanda extra départ na bango. Bon, to continue mission na biso. Je vous le disais en titre, début ce dimanche du retrait de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est en RDC, un premier contingent de plus de 100 hommes a quitté Goma ce dimanche matin à destination de Nairobi au Kenya. Ce retrait fait suite à la décision du gouvernement congolais de ne pas renouveler le mandat de cette force accusée d'inefficacité. Le point avec vous, Jacques-Yves Molima. C'est aux petites heures du matin de ce dimanche que plus de 100 militaires kenyans de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est ont quitté la République démocratique du Congo par l'aéroport international de Goma. En mission en RDC depuis une année, ils avaient pour objectif d'occuper les espaces conquis par les rebelles du M23. Accusés par la population de cohabiter avec les rebelles, le gouvernement congolais avait donné à cette force régionale jusqu'au 8 décembre pour quitter le sol congolais. Avant le début de son retrait, ces contingents ont reçu la visite du chef des forces de défense de l'armée kenyane, le général Francis Ogola. Il a félicité les troupes de la force régionale pour le travail réalisé depuis leur déploiement dans l'est de la RDC. Il a aussi visité les contingents kenyans déployés à Goma ainsi que dans les bases de Kibati et de Kibumba dans les territoires de Nyiragongo au nord de Goma. Jusque-là, nous n'avons pas encore de précisions sur le calendrier de retrait des troupes de cette force qui comprend non seulement les Kenyans mais aussi les Ougandais et les Burundais notamment. La population, elle, salue déjà les débuts de ce retrait. Pour John Banyene, président de la société civile au Nord Kivu, il était temps que cette force quitte la RDC. Pour lui, dans cette force régionale, seuls les contingents burundais étaient du côté de la population congolaise. En réaction, la société civile du Nord Kivu demande au gouvernement de prendre des dispositions qui s'imposent pour restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. John Banyene, président de la société civile du Nord Kivu, estime que le gouvernement ne peut pas laisser des milliers de compatriotes à la merci des rebelles du M23-RDF. Ces propos ont été recueillis par Rosalie Zawadi. Ça revient à la responsabilité du gouvernement congolais. Dès lors que les forces de l'EAC ne seront plus dans les zones contrôlées par les RDF M23, nous, comme société civile, nous n'avons pas de demande. La seule demande est que le gouvernement doit prendre ses responsabilités, celle de restaurer l'autorité de l'État sur tous les territoires congolais, c'est-à-dire le gouvernement congolais doit tout mettre en œuvre pour bouter hors d'état de nuire ces terroristes, afin que nos compatriotes qui sont dans les zones sous contrôle du M23 soient contrôlés par le gouvernement congolais qui est parmi ses responsabilités
d'assurer la protection de la population et leurs biens, ainsi que l'intégrité territoriale. Je crois que tout revient au gouvernement congolais de prendre des dispositions qui s'imposent. Merci le gouvernement infiniment, à l'occurrence le président de la République, qui a attendu notre voix et qui a répondu favorablement à cette demande. Soko talio bazoloba et tout ça, non. Notre pays est en direction à bien. Makamba konziba loba ki yango et salami. Parce qu'on parlait de leur départ le 8 décembre, il y en a plusieurs Congolais. Bolandi, Boyoki, n'est-ce pas expliqué dans la radio nationale Kinshasa. C'est le départ. Il faut pas bien mandambu dambu. Et puis, bango nyonso, après bakéi, ça dès qu'à remplacer bango. Mais, au moins, bah, Congolais trop naïf. Bazo moi, ma kamba bien na mboka, mais il ne parle pas. Mission na mozaka ou loa mabé. Bah, moussoukou dja na réseaux sociaux déjà plein balobi. Au monde, bah, bazo kende 1-23 zo zonga na ma localité wana. Ba message à armée à Rwanda. Pona ko tchabino ne bilisio mobulu. Il ne peut plus rentrer là-bas. Nde bozo mona EAC wana. Aza supporté na Occident. C'est l'Occident mouta ou fouta ba $1,000 par mois ya soda moko ya EAC. Pona nde bazana EDC. Ya on te zoe sabino. Keto zalamayele. Toza ana kimia. Mboke zana direction a bien. Boke bana baba songe na réseaux sociaux. Soyez prudent. Bako trouver moral na bino kumo loba n'importe quoi contre pays na yo. Et maintenant il y en a beaucoup qui sont utilisés par la communauté rwandaise. Baza bata manipulation. Parce qu'ils ont échoué la guerre à l'Est. Et maintenant, il n'a qu'à donner des fausses messages, des faux messages. Bah, message à l'écouter, ça, Robima. Bah, mensonge, et puis vous suivez ça. Fais attention. Parce que moment haut est un moment de transition. Et à ces aucun de force à Sadek, bah, se remplacer. Comme ça, qu'il y a un message, oyo, et puis ça, mais qui, n'a sommet. Il y a un tout ce qui s'est passé. Que, on va d'accord la mouki, on va nous coller ma bien pour nous beaucoup, on va nous décourager même faire des ces au bazar à fond. Peut-être ça ne peut qu'à congolais, te bazar comme à rwandais, bazar au kosabatu, des noms bah bam peut qu'à combo, mais ça fait mal. Tous à la vigilance, bata modèle en dehors money bango, mais comment y'a le ma bien en beaucoup à nos boy, osa nani, le retard après au moins à casa rwandais. Donc, baza d'une manipulation. Ma kambazo sa na niveau ya campagne électorale. Otsali, otali, buena mawa. Tout cela. Baza na besoin ba richesse na. Se mais ils n'auront pas ça. Tout ça, j'aime konza mboka lingi mboka na yi. Yangwana tir tia fato obele la bon vote candidat numéro 20. Azo pfuma ko sa l'effort pour na mboka oui. Transformer ces pays. Les pays des rêves. Alors, tant aux autres la makambo tout au landiwana, départ au Yeluba, banda kalame ba congolais bazagi n'hésitation mené comme réalité. Il faut tomber tabou ma boko. Besoignons so pesa ma commenter, tant aux autres commenter, que voilà faire de ces bénés les koyati, moussala kitoko, ba konzibo continue gandengwana, obo décider salam. Voilà. Baba niko kiti. Oba ben a kasson, et yokani. Yango, tout ça la maille, les passes, moment, tout ça, ils appellent un moment, moko, yao, ça, quand t'as 20 élections, passe, banguna, Congo, balaliti, baza, kaka, yango, bisounyonso, to bela, komba, fachi, candidat numéro 20, comme, oyo, to koponan, pour continuer, moussala, zaiko, sala, avance, parce que moussala, ça, Dieu, c'est énorme, il faut achever, yango. Parce que, tant qu'on continue à pouvoir, il n'a travaillé que pour 2 ans, jusqu'aujourd'hui. Il a perdu ses 3 années comme ça, avec FCC. Alors,
Bandeko, Tolandi, en tout cas, Tokomo Tika, point et assez dans ma boko na bino, Tokomo Kenena, point abso, Yasuka. Point oyo bandeko, les matériels de l'Union européenne confisqués par l'ANR. Hier, on avait parlé un peu, on avait dit ça, qui va confisquer, va bloquer Bango et tout ça, Bango va dire décision va quitter. Alors, le matériel ou les années, c'est ça la situation, le Congolais va comprendre. Bango tant baillé, va le dire qu'il faut baillé politique, mais puis techniquement, parce que mi ma mission d'observation est à cas politique. C'est-à-dire, bah, tu vas avoir un conservé, hein, moi, note, je suis et tout ça. Bah, je suis là, bah, candidat, quoi, y'a, bah, personne, bon, bah, je suis là, et tout ça. Mais, bah, là, oui, bah, moi, bah, y'a, équipement, bah, satellite, bah, équipement, bah, saganaté, bah, équipement, mon sotali, donc, hein. Mon soupe, n'a, oui, cap expert, électoraux. On s'en va, parce que, à l'informatique, bah, capable, bah, adapter, bah, le tout, on a, bah, pareil, on a couru. Bah super, on peut bah changer ma camionneuse. Bah connecter pépé des abissos. Yango, bah conduit, bah boy hésitation, bah du décision pour la banque. Alors, Bango, maintenant, bah quitter le pays. Mais bah singin, le gouvernement a solé continuer, t'es tous en un groupe espère, bah zalawana pour na koyeba, nénini, kolanda. Alors, tant aux autres, bah congolais, bah surtout, côté à Katumbi, opposition bazolo ba ke voilà, le quoi ba on ba ke élection de sous crédibilité, mais qu'est-ce qui va changer? Et le quoi ba on ba ke, et ça passe que ba kangi ba on a bilo kama yuya. Gouvernement sou ba te oyo kanate ke ba ya na ba pare. Parce qu'il fallait ba ya kana ordinateur normal et tout ça, mais ba ya na ba pare sophistiqué. Il y a un tozo yepsa, Occident, na RDC, na gouvernement, il y a des jeunes qui ont étudié en Europe. Bah, yébi, bah, zambé intellectuel, bah, zambé, on travaille dans le gouvernement. Donc, bah, y'a, au Kosaka Batuti, vous venez avec des, ah, voilà, t'as dit, on va déployer 17 observateurs, n'a pas paré, et puis techniquement, bah, matériel, mon technique. Les plans derrière Katumbi. Échec total. Candidat na bango. Bah, préparer nyon, son moukwe gazani ka couverture na bango. Bah, c'est bientôt bah, au sanga na bango. Yango, tous ceux, ça va congolais, que tout ce qui se passe, soyez serein. Nous allons vaincre cette guerre. Bango, makamoutoto, l'andawana même, est assez. Makei. Alors, tsukoyo, Anera taliba pare, taliba pare, taliba pare, abino. Ça ne va pas passer. Ba confisquer en haut. Alors, bango ba mona ki réaction na bango za ki ba quitter. Ba tika ka un groupe abatu peut-être à 4 ou 5, ba tika la Kinshasa. Ndenge mona ba quartier, parce que ba y États-Unis na quartier, pe ba na kin. Mais quoi na ba pareilité? Y'a vote. Ba pare moko donc. Non. Ils est bango bazai mais capable. Bon moi le quoi basa sondage qui tient mon sapin tient mon saga bah compte en gopé. Aux hommes na qui yo voté ni yo voté ni yo voté bah toi dans l'era campagne dans l'era élection les baso voté. Alors bah konzi en tout cas qu'on félicite bon yonso baso sur la décision pour Namboka. Parce qu'on découvre beaucoup la bande de quoi, tout le monde extra. Et sa clarté. Et Bélé va poser ma question à qu'est-ce que c'est. Vous savez, mon parce que Bino Boye va tendre Bino la main Boye. Mais consomme comme technologie, c'est politique Boye, Botalib, élection, mais à papier, avec un stylo, vous avez noté ma note, na Bino. Mais au Boye, n'a pas d'équipement électoral, non. L'heure est grave. Bat oyo, basama la mouti. Alors, tolanda extrait oyo. Bon, to continue. Bandeko.
Bokoyo katoko tie la bino. Katumbi makambo ebele basi ba preparaki. Tala. Batoyo bazoyi bateke nzambe paza. Grand félicitation na docteur Lusadisu. Administrateur général ANE. Les matériels d'observation de l'Union européenne confisqués par service de l'ANE. Mission observation en temps bailli. Ndebozo mona tato azana droit yazana Bruxelles. Il y a du décision ba mole ba PC rapport. Allez bino tout bo kité RDC. Bo kité un groupe avec commissaire Batika la kuna parce il y a ngone mu desaké important. Mais ça te ba yel biso 17 40 à peu près observateurs et puis 17 nous sommes dans le reste du pays et puis ba yena ba paré na bon expert. Poka Katumbi Abima, président de la République. Donc on dit Mayangote. Bande au Mogoyoka. De comment me la expliquer, mais il fallait quand même que ce soit vérité que, bah, pareil, on est à ma bé, que bon, le bagage, que bon, bah, on va se retirer. Parce que, bah, il n'y a pas qu'on réveille ce bangouti. Mais, secret dévoilé, quand on est mission, quand c'est, on a confisqué, ni Nabango, alors, bango peut ça, bango bien te, parce que, n'dengue va confisquer wana, et ça, déjà, réputation, na bango mabé. Alors, yango, makambo, to, comme na niveau, to, ça. Bandeko, congolais, to, telema, pour l'intérêt, en bouc. To, ça, na situation, moko, difficile, pour le moment. Boko, yoga, to, tchè, la, binou. Comment, binou, boye, na, mboka, na, biso, boye, na, observation, et élection, boye, na, ba, matériel, sophistiqué. N'a pas satellite, n'a pas kamba, n'a pas kamba ko sanganati. Et l'on n'y ne koko sanganabino, en technologie, tout est possible. Faut voyer bayango. L'informatique est développée pour le moment, n'a n'engue mo ke bino boko comprendre te, tout est bouleversé. Osomona. Ba koki me ko pirati, seni. Donc, comment on peut comment gérer Seni dans leur élection? Donc, pirate. Vous allez comme vous le battez? Bah, machine, comment tambola? Bah, comment, bah, chiffre, comment, bah, Katumbi na Katumbi? Ah, Katumbi. Oh, bah, Joël Libiso. Au monde, mon kilia. Nzamba Zali. Anera, y'a ou comprendre, n'dengenin. Léba au solo là. Il savait que Bambaye, après, oh voilà, il y a une équipe technique au Bakouya. Équipe technique, eh. Mais Zara qui bongote, et Zara Bandego, en RDC pour le moment, oh ya, USA, on a Carter, bah y'en a bango. Bon, y'a gara mon ordinateur, na bino, c'est normal comme ça et tout ça. Mais bah, oh yo, bah y'en a biloko, moko, anera lobi, non, 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 Union européenne, boye ko tia moutouna, mino katumbi na pouvoir. Toto kamba machine yon so do bouleversé, bah pirate pe, to regrette. L'air est grave. Alors, sans plus tarder, tout l'an a débat, oh yba confisqué bango, boye ka ba congolais, ne ba zo loba, bon, auto avancé, parce que trop c'est trop, c'est Yangoana, tozo félicité docteur Lusadisu, pour na ko confisquer Babylone bango. Alors, Tolanda. Ma ministre, merci à mon ami de Bouteli. Je pense que cette mission, l'Union européenne, maintenant qu'elle est terminée, elle pose pas mal beaucoup de questions, mais elles seront soulevées déjà pas mal de problèmes. Elle-même, l'Union européenne, elle a donné l'impression d'hésiter pour venir observer la notre pays. Cette hésitation, elle est dite à quoi? Et en même temps, il y a une sorte de crise sur le plan diplomatique. Et maintenant qu'elle annule cette mission, on se souviendra, je crois que mon ami de Bouteli l'a évoqué, le calendrier électoral a été publié, l'audit a été prévu. Du coup, on se rend compte qu'on n'avait pas assez de temps, le moment où il fallait auditer et ça posait d'autres problèmes. L'OIF n'a pas pu auditer les fichiers. Voilà, l'Union européenne, après avoir obtenu l'accréditation, qui va maintenant déployer ses observateurs, évoque également des problèmes d'ordre technique.
quand ils parlent de problèmes d'ordre technique, il ne faut pas nous envoyer nous à la spéculation. Il faut qu'ils disent qu'est-ce qu'ils entendent par le problème technique qui s'est posé, qui fait que la mission soit annulée. Je pense que nous devons aussi évoluer. Je crois que Nice m'a évoqué. L'Union européenne a parlé de son matériel qui serait bloqué ou confisqué, entre guillemets, par les services de renseignement. Oui, mais alors, dans ces conditions-là, il fallait nous expliquer clairement ce matériel on posait quel type de problème qui a fait que le service de renseignement puisse le bloquer. C'est de cette manière-là qu'on peut éclairer l'opinion au lieu de s'enfermer dans des termes diplomatiques qui disent le mot technique, le service de sécurité. Et ça, du coup, ça dramatise et ça désorientera l'opinion comme si, si l'Union européenne n'observait pas les élections en République démocratique du Congo, le ciel va tomber sur les Congolais. Qu'elle fasse cela. Donc, et ça, c'est un coup. Mais ça apporte quand même une certaine petite crédibilité au processus ou au résultat qu'on aura après l'élection du 20 décembre, Jonas Tombela. Ça apporte quand même un peu de crédibilité au processus. Mais la crédibilité du processus n'est pas nécessairement fonction des observateurs de l'Union européenne. Il y a aussi les observateurs des centres d'affaires, de l'Union africaine, et le CIAC, il y a des missions citoyennes dont l'île est dirigée par mon frère qui est à côté de vous, Luc. Donc il y a des missions. Ce n'est pas, nous devons d'abord quitter cette histoire-là. Si l'Union européenne n'est pas là et que le processus est foutu, ça c'est une façon d'oublier le rôle que jouent les citoyens congolais, le rôle que jouent l'observation même domestique qui a été démontée en flèche. Donc je pense que nous devons relativiser. C'est un incident qui est arrivé, heureusement aussi, l'Union européenne n'a pas fermé la porte. Je ne pense pas que le gouvernement l'ait aussi fermé. Donc, ils sont sur les discussions, sur l'observation. Alors, inviter une erreur technique ou un problème technique qui n'est pas aussi assez éclairé au niveau de l'opinion, ni les services de renseignement même qui ont confisqué le fameux matériel, n'explique pas pourquoi ils l'ont confisqué. Donc, c'est nous emballer dans un débat dont nous n'avons pas les tenants et les aboutissants. Et là, nous sommes en train d'analyser si l'heure de part, est-ce que le processus ne peut pas être crédible ou il va être crédible. C'est vrai, il s'est posé des problèmes dans le processus. Une partie de l'opinion le conteste, mais ce n'est pas en gardant l'esprit qu'il n'y a que l'Union européenne qui peut attester que ce qui était doublé dans la République démocratique du Congo a été bonne ou mauvaise, ou est crédible ou n'est pas crédible. Je pense que nous devons quitter ce carcan-là, que ceux qui ont pris la décision d'annuler et de confisquer communiquent suffisamment le vrai problème qui s'est posé sur le matériel et pourquoi ce matériel n'a pas été accepté en République démocratique du Congo. Je n'imagine pas aussi que les Congolais puissent voyager dans d'autres pays avec des biens que les autorités du pays ne peuvent pas contrôler ni savoir. Donc cette communication-là n'est pas assez suffisante pour nous permettre de mettre ce point de vue objectif. Mais quand cela ne tient, c'est un débat démocratique, c'est une partie prenante au processus, la communauté internationale. Donc ce débat-là devra davantage continuer dans le cadre de fenêtres qui sont ouvertes au niveau des discussions, s'il y a des experts qu'il faut laisser, qu'il faut continuer le processus, ou bien ils vont revoir leur plan et revenir au pays. Dans tout le cas, ceux qui nous ont invités ont constaté ce qu'ils ont constaté. Il n'y a qu'à ce niveau-là. Mais ça ne devait pas avoir l'impact sur l'opinion, ou que si l'Union européenne n'observe pas l'exécution, la crédibilité sera entachée. Je pense que je serai inadérable. Bon, moi, je suis un peu plus de temps. Mais il y a des gens qui ont mais dans le débat, vous avez un souci. Vous aurez comment? Et puis, il y a un journaliste qui a dit crédibilité. Non, crédibilité, il y a quoi expliquer. Le bien, c'est que vous avez une élection à Bango. Maintenant, secret dévoilé. Bah, y'a qui n'a pas pareil. Comme dans l'opposition rwandaise, on a l'obaki. Une émission à l'obi qui n'est qu'au Landa. Que, et Zalipo, mon boulouga et Kota, bah, tia Kagame. C'est-à-dire, ben, de Koboso, y'a Kao, que, bah, pirater bino système. Bango, ceux qui bah pirater bino,
bango ba su contrôle ya Seni Mobimba. Ndenge élection est bonne, ba pene ba pirate ango. Nzamba za malamu. Parce que da yebi. Na yebi ngamoko, na yebi koma, ngamo na tangsaka yango. Donc, c'est très important de comprendre que nde boyo kako ba pirate boye, tonto yo kango na RTC. Boyaki ezeka politiquement, boya kaka, ndenge ba carter ba ye, bandeko, Sadek pe bazali mission d'observation. Mais Sadek a yina ba biloko anate. Yakana nina mino bozan pena mo ordinateur na mino ka neantu, me ba pare biloko tubo ye na ngubo sala nini. Satellite wana masolo nini. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, bateau yoa. Bateau bazama be. Katumbi a komena souka. Ndenga zana sa campagne bakop na union se koufi. Il y avait deux missions spéciales ya Katumbi. Otosom na ba paresse officiel c'est pour pirater la CENI et puis publier Katumbi comme président de la République. Deuxièmement, ba makambo tout ezo le ka tout wana otolanda ki ne mission wana. Biso za to ya Katumbi récolter même information directe. Mobulu ekoti nango, élection ekoti mobulu, et koméo, tout ça la transition. Donc, ma possibilité, mi balé, ma tchaki ango déjà, que ce côté est simité, toge koto. Le kola côté, y a copiraté élection à Seni et foiré, ma kena côté moussou. Kandima, bo fungo la misu, bande bo partage. Faut présent Seni à landa, bande koyo. Baza kame bato pe bayebi. Yangonde kwa musa lo mais pourquoi pas? Ba yip saka abiso ke ba matériel wana ba bloke ango ke o, ba lo baga ke o ba onba keyi. Mene kome clair. Parce que crédibilité kwa ko kita, les alo kwa to obo ya batu ba sirve election. Bo sa la clair me to ebi ke, ba mona ke ba boye ba mongo sa musa yin europeye. Ba bomba ma bena bango. Ele kaka bongo, bango pe ba vanda ka na marko. Union européenne bazana pasi. Parce que nous avons des informaticiens RDC. Ba tali bilo boye nango abi non. Ba kangian. Message ke na Union européenne à Bruxelles. Message kwe. Ki bango tu bazonga. Ou à technique. Bo to à technique bazonga. Une équipe à technologie. Et c'est un tout coca. Nande technologie ça pour le moment. Bandeko, ko sakanate numérique na niveau to eza lelo. To ato vivre ba sen monde au cas di manga mona ka na ordinateur, ba chiffre zombima. Katumbi, katumbi, katumbi. Donc, on comprend de te. Eza pirati. To za na chance. To a na grâce. Bango observateur ba lo moni to zo tala tala yangwana tala yangwana tala yangwana arrêta journée et puis élection côté mobulu yango to tonda nzamba zali bango ko samba manœuvre na bango nzamba ko bimisa ona poste tala anera détectant service na biso spécial ba détectant wali ba kangi ba matériel to la ni bisonyos. De comment le but, il fallait qu'à baïe, ça va tout cas, que ma kangi ma parrain, na baon, que ba lo baga kyo, bango ba osa insulté, ba ton gon boule be mission, ton gon sa kandéan, que bango, ba se retire, na mon ba sing, na mon gon, faut vivre ba moni, que, moi, il sou ba continue exacte. Nzo kandé, ba kangi ba on a maïe, ya. Soto comprenne. Et ça m'a wa. Ba to ba lingi, te présent, Félix a dirigé Mboka Oyo. Balingi de présent Félix Atam Samboka, balingi un étranger au sommet de l'État a nous amené des appareils comme ça sophistiqués pour être Mboka kaka yokota mobulu. Non. Et ça la soukane katombe. L'heure est grave. Lèvons-nous pour la EDC. Tout est le mapon Mboka. Alors, bande konangai. Tout l'andibisonyosu. Mais,
toujours c'est toujours pour sa félicitation à Aner ne va ça musala kitoko. Alors l'Union européenne va technologie na bino bagage Bruxelles bakay a chepso mon boulot à kusakanati. Alors banamboka tolandi émission bino suko bo partager bo s'abonner yesa bande ko tout ba s'abonawa ozo vraiment solo. C'est à ce point. Donc, comment clôturer la mission là-dessus? Bon, continuez comme d'habitude, qu'on s'abonne massivement. Au revoir. À la prochaine.